Il n'y a jamais de façon idéale pour essayer d'aider des gens dans la misère. Il ne faut pas penser que c'est une partie plaisir que d'habiter dans un lieu comme celui-là, d'y séjourner, hein, parce que même parler d'habitation, c'est beaucoup dire. C'est difficile pour moi. C'est des conditions très difficiles de vivre dans la forêt. Je suis bien équipé pour faire du camping, mais l'hiver, c'est froid. Les gamins sont ici, ils sont en train de nous évincer. Et j'ai sorti de l'hôpital, j'ai des engelures dans les mains. Je peux pas sortir mes choses seules, faut que je demande à mes amis parce que je suis pas capable là, tout seul. Là. C'est pas n'importe qui là, qui vient ici, là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est des gens qui ont une vie que les gens pourraient penser de marginal. Mais pour nous, au CIPTO, ce qu'on croit, c'est tout le monde a sa place dans la société. Il faut arrêter d'essayer de les mettre dans des petites cases. Moi, il faut que tout que je ramasse mes bagages que je veux pas perdre parce qu'ils vont tout crisser au garbage sans donner d'aide pour pouvoir stocker ça quelque part. Puis la plupart d'entre nous, on est tous comme démunis pas mal, on n'a pas grand-chose. Fait que disons que c'est quand même dommage qu'ils viennent tout jeter au complet le peu d'objets que les personnes ont quand ils disent qu'ils veulent qu'on s'en sorte. T'sais.